Page santé dans cette édition avec le départ à la retraite d'une personnalité auboise du secteur médico-social, Aimée Vedel, directrice des affaires sociales dans le département. Elle dirigeait la DIDAMS depuis 2003, soit 760 agents sous l'égide du Conseil général. C'est désormais Bernard Bas qui va lui succéder. Hier soir à l'UTT, une réception était organisée en l'honneur d'Aimée Vedel. Écoutez ce témoignage ému de cette auboise au service des familles. On a pu en particulier développer beaucoup le nombre de places en maison de retraite, puisque le département manquait un peu en 2003. Et donc on a pu, avec une bonne collaboration avec l'État, créer beaucoup de places pour que les personnes âgées aient des places en maison de retraite. On a pu créer des actions de soutien aux aidants, des choses importantes. Et aussi en matière de protection de l'enfance, on a pu mener des actions innovantes qui sont maintenant observées même nationalement, parce que ça consiste à favoriser le maintien des enfants dans leur famille plutôt que le placement. Et ça, on peut en être particulièrement satisfait parce qu'on a évité beaucoup de déchirements dans les familles.